Salut les snacks, c'est Colgate. Et moi c'est Mika. Bienvenue chez Snack Patch. On est de retour de Normandie parce que tu sais qu'on a participé au 74e anniversaire du débarquement sur le camp Arizona et c'était vraiment un truc de dingue. Et comme promis, on a un petit peu filmé l'aventure et on va te partager ça. Et moi je te poste un dossier photo sur Facebook rien que pour toi. Quand même, hein. C'est quand même un dossier photo. Hein. Et avant de t'emmener avec nous pour 15 minutes de bonheur, on va se dégoupiller une petite roue de bière. Histoire de gerber en direct rien que pour toi. Ce machin dégueulasse qu'il a dans le bec depuis tout à l'heure. Tiens, regarde-moi cette racinette. Santé. Ah putain. Franchement, je te conseille la racinette. Qui commercialise? Qui a eu l'idée? L'idée. Santé. Ça a un goût de synthol en fait. Un petit cigare. Je le sens pas vite de son côté. En fait, ça a un petit goût de reviens-y. Double dose de racinette. Chabite. Chabite. Ma racinette. Yo. Je peux te dire qu'on est crevé là. Non, on n'est pas fatigué. Eh, c'est la classe. Non, mais y a plus personne qui est au boulot là. Hein. Attends, je te présente quelqu'un, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Salut Steak Page. Mon pote Hervé. Eh, 10 ans. Ça, c'est un pote. Attends, monte ton dos quand même, monte ton dos. Benny vite fait. Bah, oui. Bonjour Benny. Salut les gars. Voilà. Ah ça c'est Fabrice. Oh. T'as pris des photos du Stuart? Ouais nickel. Et toi qui voulais faire un tour de char, ça y est c'est fait. Carglass ont-ils ce modèle des sous-glaces? Ça va, ça se passe bien? Très bien. Formidable. Très bien sûr. Et comme tu vois, il y a beaucoup de monde. On va aller faire un tour du côté du bar quand même un petit peu. Ils vont pas japonais. Ah santé, santé. Kampai. Santé. Ravitaillement. Ah bonsoir monsieur l'organisateur. C'est qui lui? On dirait que c'est au YouTube. Ah non. C'est ah si là, si. Ah bah si là, on est en plein dedans là. Son droit à l'image, mon gars. Mince, son droit à l'image. La petite dame aura son visage flouté. Tu ne la rencontreras que si tu viens sur le camp Arizona. Le logiciel pour moi qui la voit. C'est le logiciel Sylvain Mirouf. Non mais pas en direct, hein, vous inquiétez pas. Il y a un léger différé. Ah bah te là, toi. Oh dis donc, il est beau ton machin. On voit pas grand chose quand même. Non hein. Mais ça le fait. Bon ça va. Il y a de la fumée. Ah. Moi ça la Jeep Navy. Alors là, c'est grande classe. Un burger, un croque. Bah, je vais prendre une pizza, s'il vous plaît. Okay. Ah, il paraît que tu t'es fait soigner les pieds. Ouais, je me suis fait soigner. Vas-y, vas-y. Combien de kilomètres t'as fait? 18 bornes. Le conseil que t'as donné pour les mecs qui doivent faire ce truc-là. Une bonne paire de gros, une bonne paire de chaussettes. Bonsoir. Oh, mais c'est bien. Ouais, mais welcome to the place to be, the camp Arizona, avec Jean-Mi. Je t'avais dit qu'on le retrouverait. Bah ouais, ils sont là. Trop fort, ouais, trop fort. Ouais, trop fort. Ouais. Non, mais de toute façon, t'as contre-jour, regarde. On ne connaît pas. Ouais, en plus, on ne connaît pas. Non, oui, regarde. Je pense que c'est vrai. Regarde, sur YouTube. Si, si, regarde, YouTube, là. Regarde. Waouh, putain, trop fort. Putain. Ah ouais. Tu vas me couper ta caméra de merde, toi. Oh. On dort bien dans un sous-marin. Dans le sous-marin Snack Patch. Oh, filme pas, fumier. Pleurer parce que ça filme. Ah merde. La nuit a été bonne? Ouais, impeccable. Super. Ouais, toi, ça a été? J'ai un peu la tête d'un cul qui a qu'une fesse, mais. Un peu, ouais. Ça va, quoi.
objectif étant de faire un KFC avant la fin du camp. Alors, le troisième réveil, difficile. Ça n'en peut plus. You see, this is shower time. Hi guys. Je crois qu'il y en a qui dorment encore. Oh non, hop là. T'es pas censé être là, c'est ça? Hein? Ta femme est au courant? Elle est au courant. Bon, tu flouteras. Ah bah t'es à contre-jour, regarde, on reconnaît pas. Attends, mais puis j'ai le nom et c'est pas le mien, donc c'est bien. Ah oui, bon, c'est bon. Là, quand je vois un appareil photo comme ça, en général... Allez, là, 4 c'est 4 des... stories. Là, c'est des... Ah, c'est 4 4 stories. Le matin au réveil. Bon, je avec vous son véhicule de service. Regarde. Bonjour YouTube. Donc c'est 4 4 c'est stories. C'est dur le matin, hein. Si vous voulez voir des belles photos, motor-lifestyle.com. D'accord. Alors oh, ça, j'ai été bon là. Ça... Dès le matin, on se fait agresser. Il a une conception de l'agression que je ne connais pas. Un lieutenant religieux, regarde ça. Vous voyez, quand je vous dis les filles, vous risquez rien ici. Acceptez Jésus dans votre cœur. C'est pour quel journal, monsieur? La Manche Libre. Ah, la Manche Libre, c'est le meilleur du coin. Tu vas avoir une page, hein, entière. Une page entière. Ah, là, faut aller voir le gars. 175-12-37. N'écoute pas ce qu'il dit, notez 175-12-37. Alors que l'équipe du petit Viking arrive... Ah, ça va. Regarde. Moi, je viens d'arriver d'Auberville. Ah, il y a deux équipes, les petits malins. C'est comme ça qu'ils arrivent à être frais tout le temps. Ah là, qui c'est qu'on croise? Condition. Hello, morning! Morning! Trevor! Je te montre quand même le parking. Ça veut dire que vous êtes nombreux à venir au stand Snake Patch aujourd'hui. Comme tu peux voir, il y a vraiment plein de bonnes choses à manger. Douché, rasé, d'embrossé. Tu vois, il y a aussi des professionnels de la télévision ici. Regarde. T'arrives dans le stand de Trevor. Trevor, les perroquets. C'est un real English, ok? Crazy man. Smile. Tu as la team de Band of Brothers qui est là. Tu as des acteurs en direct. Yeah. Hello. Jump. Tu penses que je peux pas filmer les flics? Hein? Pourtant toi t'as l'air d'être un peu flic, t'as un sur petit les bords là. Hein? Parce que Séverine c'est mon premier amour de camp. Et les gens peuvent m'amener leurs photos et je grave sur place en plus. On arrive à avoir quand même une belle définition au niveau des images. Ouais, c'est carrément joli mon petit gars. Les aléas du direct. Ah si, là, il y a des pin-up. Oui, là, je dis oui. Encore un équipage qui vaut le coup, là. Oh oui, une Jeep de poulette, les enfants. Attendez, je pars avec elle. Bon, j'ai pas réussi cette fois, mais je te jure que l'année prochaine, on ira. Ah, ils sont beaux. Après la Jeep avec que des belles mômes, je te montre la version masculine. Attends, parce qu'il faut que je cours, il roule. Encore lui. Là, c'était Clément. Je crois qu'eux, ils sont un petit peu en surpoids. Oui. Et là, t'as Mika de la team Snake Patch qui tourne déjà au Calva. Pendant ce temps-là, nous, on sera au petit Viking. Alors là, ils coupent des oranges. C'est les oranges de Normandie. Comment? Parce que là, il y a quand même un GI qui est en tenue, mais nickel. Tu parles français ou t'es ouais, anglais? Je parle français. Ah, tu parles français. Excuse-moi, c'est pas dit quand on te voit, hein. On dirait un Américain. Je pense que tu te rappelles de la petite dame qu'on a floutée hier, alors je vais te demander de la flouter encore aujourd'hui. D'ailleurs, tu me floutes tout le monde, hein. Tu me floutes tous les gens. Je veux que des gens floutés ici, hein. Le monsieur derrière, c'est un vétéran, non? Vous avez fait une guerre, quelque chose? Vous les besoins du film, on va dire que vous avez fait le Vietnam. D'accord. Tu vas à la station service, ça? Oui.
C'est pas du gasoil. Non, c'est de l'essence. Ah, c'est de l'essence. Réservoir de combien de litres? 2 x 50 litres. Allez, bonne journée. Ciao. Je crois qu'ils font une petite course. Et là, on est dans le stand du photographe officiel. Je suis photographe et je sublime pour te rendre plus beau que beau. Plus beau que beau. Là, ils sont en train d'installer un fond, tu vois. Tiens, qui veut se faire prendre en photo. Oh ouais. Il installe toute la mécanique. Il y a quelques petits secrets de fabrication. C'est superbe. Vas-y, montre-lui. Montre-lui. Prêt. J'appuie sur le bouton. Ne montre pas tous les secrets de fabrication. Tu as un petit ordinateur d'époque. Oh ouais. Tirage magnifique. Et ça y est, le stand Snake Patch est ouvert. Ça se bouscule. Un excellent vendeur Snake Patch. Ah, et Sarah. Et moi, là? Ah oui, il y a Sarah aussi. Ah, quand même. Bigger. Yeah. Mmh. Là, tu me reconnais pas en Evie. Oh. Je t'ai reconnu quand même. Mais sur le coup, non. Non, mais... T'as vu, bah voilà. Regarde, c'est fait. Bon, j'ai mon permis depuis 2 jours. Pas mal, ouais, comme ça, mais ça c'est classe. Mais oui, ouais. Oh, des vidéos. Je le connais, lui. Bah toi, je te connais. T'as pas l'air Hervé? Bonjour, comment tu vas? Petit homme. T'as pas l'air Hervé? Ah bah toi aussi. Non mais... Mais c'est pas beau ça quand non, même. Non mais c'est beau là. Je t'aime. Là ça vit, hein. Là ça vit. Et oh, et là alors, hein? Ouais, c'est vrai, ça vit aussi. Du coup, bah on va tous faire une séance de shooting. C'est parti, les ports d'Irtel, sauf qu'il me manque. Un des... C'est la petite partie un petit peu haute. Voilà. Encore des copains de Port-en-Bessin? Toujours. Oh, je le connais, lui. Oh oui, oui. Ah bah tiens, regarde. Je crois bien que je connais un peu. Hein? C'est les lunettes, surtout, j'ai reconnu. On aurait presque préféré de la pluie, hein, finalement. Bah oui. Hein, carrément. Bah, on est en Normandie, hein. C'est ça. Pays de la pomme et du pain d'épices. Lui, c'est Snake. Moi, c'est Snake. On va selfiter parce que ça faisait longtemps qu'on n'ait pas selfité tous tiens, les deux. Regarde. Hop. Bah alors, il était bien ton week-end, Snake, en Normandie. Superbe. Ah. Un camp magnifique. Bah, ouais, et le temps qu'il fait, on se croirait presque sur la côte d'Azur. C'est un peu ça. Il y a un mec tout à l'heure qui m'a dit « Ouais, j'aurais préféré qu'il flotte quand même. » Ouais, mais ça devait être un Normand ou un Breton. Ça doit être ça. Hein. Enfin, un gars du Sud comme moi ou de l'Est comme lui. C'est ça, Normandie, pays du Calvados, de la pomme et du pain d'épices. Et du pain d'épices, c'est bien connu. C'est bien connu. Et les caribous voilà. Dans les champs. C'est ça, c'est ça. C'est ça, voilà. Bah, je vais retourner au bar. Hein. Salut les gens. Comme tu peux voir, il y a énormément de monde. Hein. Ouais, vous êtes heureux ici, ça va, ça se passe bien. Bien, super bon. Est-ce que tu as rayonné aujourd'hui? Affirmatif. Ah, cool. Encore un ami qui est là. Ça va bien? Ça va, toi? Ouais. Je vais t'emmener en immersion dans le poste de secours. Un petit peu de vodka. Regarde-moi ça. Ah, j'espère que ça te plaît parce que lui, ça lui a pas réussi. Et là, je peux t'emmener en plein milieu d'un champ de mine. Regarde-moi ça. Sur l'équivalent américain. Car l'équivalent est sur le semi automatique. Les sauterelles françaises assez bien, sont avec des ressorts comme les sauterelles modernes. Forcément, bah, je viens vous voir quand même un petit peu. Bah, on est un peu fatigué ici. Ça se passe bien. Les coups de soleil pas trop. Là, tu as donc l'exclusivité avec le propriétaire juste là qui nous fait visiter un véhicule pour poser les lignes téléphoniques. À une époque, tu avais une Jeep. Oui. Tu as encore la Jeep? Oui. Tu as gardé la Jeep? Et tu as pris ça en plus? Tu as des jolies lunettes. En langage de jeune, ça veut dire qu'il kiffe mes glasses. Ouais, c'est pas mal, hein. Alors, tranquille, la petite Jeep et tout. Eh ouais, mon petit Snake, il faut que ça se termine un jour et c'est super triste. Mais si toi aussi, t'as fait des camps, tu sais à quel point c'est morose le départ. Le petit Viking coupe sa dernière salade. Eh ouais, la dernière du camp Arizona. Là, c'est même plus pour faire du business, quoi. C'est pour rendre service finalement. Voilà, c'est ça. Toi aussi, tu vas connaître cette ambiance de fin de fête. Encore quelques courageux qui sont là. Hey, hey you. Tu serais Snake Patch. Je filme la fin de fête, la tristesse, tu sais, du grand départ. Tu vas voir le petit collègue, quoi. La dépression.
C'est pas cette année qu'on mangera du KFC sur le camp. Un homme brisé. Brisé par la fin de cette magnifique opération. Ben oui, hein. On a eu du beau. Il y a eu du beau temps. On s'est bien fait plaisir. Du beau. Bien amusé. Pour nous, beaucoup de café pour tenir le coup. Pour pouvoir gérer des ingérables comme toi. Mon ami Rome, avec ta caméra et puis ton machin poilu qui pique. Le chameur. On va t'arrêter, le chameur. Salut mon ami, merci bon, pour tout. Bon courage merci et puis tout. À l'année prochaine. Hein. On compte sur toi. Bon, je coupe là. Salut. Non mais là, il fait exprès, il connaît. Il filme. La team Snackpage qui se serait fait avoir. Ça va partir sur internet, ça.